Et yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour débloquer ensemble la nouvelle pioche sucre d'orge. Donc comme vous le savez peut-être, récemment avec l'événement d'Halloween que Fortnite a ajouté, ils ont tout simplement sorti une nouvelle variante de cette pioche sucre d'orge qui était donc sortie au mois de décembre, donc pendant les périodes de Noël. Et donc du coup, comme j'ai pu vous le dire, il y a une nouvelle variante qu'on peut aussi obtenir, donc qui est une variante un petit peu plus difficile à avoir étant donné qu'actuellement elle est disponible uniquement aux US. Et donc du coup, pour pouvoir obtenir cette variante de pioche, il faut tout simplement acheter un produit de Fortnite. Donc c'est très très difficile actuellement de pouvoir l'avoir en France. Moi pour ma part, j'ai réussi à retrouver un revendeur de code qui m'a permis d'avoir donc cette nouvelle pioche. Donc ce que je vous propose les gars, c'est qu'on va se retrouver sur le site, on va rentrer le code et ensuite on va se retrouver bien sûr dans notre casier pour pouvoir découvrir cette nouvelle pioche. Du coup les gars, on se retrouve donc sur le site de Fortnite, donc je vais directement rentrer le code. Alors je vous le dis tout de suite, le code il est valable bien sûr qu'une fois, donc si vous le réutilisez, vous verrez que ça ne va pas fonctionner. On va donc du coup l'activer directement. Donc comme vous pouvez le voir, you will receive Minty, donc qui est donc la pioche, on va faire confirmer. Et donc logiquement, ça devrait être bon, ça a été validé. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va directement relancer notre jeu. Ok les gars, donc du coup on se retrouve sur le jeu, donc normalement si je clique dans Battle Royale, on devrait récupérer notre récompense, on va directement cliquer dessus, et on va voir du coup si on a bien la pioche, et ouais regardez les gars, le bonbon festif qui est vraiment très stylé, surtout qu'en plus de ça comme j'ai pu vous le dire, c'est une pioche qui a quand même une certaine valeur, étant donné que pour le moment on peut pas vraiment l'obtenir partout, donc ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va directement s'en équiper, et bah je vais vous montrer rapidement aussi en partie, puisque du coup cette pioche a une petite animation, on va cliquer sur obtenir je pense. Voilà, on l'a obtenu, donc c'est nickel. Alors dans le casier, on l'a directement, le bonbon festif. Alors je crois que c'est une pioche à part en fait. Je crois que c'est une pioche à part, si on regarde bien. Ouais, elle est juste là, comme vous pouvez le voir. Et franchement, elle est vraiment classe, hein. L'animation par rapport à l'ancienne, qui était comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. On va aller vite fait en mode créatif, ou en terrain de jeu, c'est pas, y a pas d'importance. Et je vais vous montrer ce que ça donne, surtout qu'en plus de ça, avec la goule, ça risque de rendre vraiment très très bien avec l'animation en vert. Donc on va être un petit peu dans le thème de la goule. Je pense qu'il manquera juste peut-être un camouflage en vert avec les armes. Et là, franchement, on devrait peut-être avoir un skin vraiment très stylé. Mais déjà, l'animation, elle est vraiment très très belle, hein, de cette pioche. Donc je vais vous montrer rapidement en partie. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Et du coup, les gars, regardez la pioche qui est tout simplement animée. Oh, franchement, c'est vraiment trop beau, hein. Surtout qu'en plus de ça, j'ai eu la goule le même jour. Donc elle est vraiment très 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 jolie. On va faire une petite animation avec la pioche. Mais franchement, elle est juste magnifique. Du coup, bah écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai montré globalement la pioche que j'ai débloquée. Je voulais vous le faire en vidéo puisque bah, c'est vrai que c'est une pioche que pas tout le monde a actuellement. Et bah comme ça, ça vous permet de voir plus ou moins à quoi elle ressemble. Donc j'espère en tout cas les gars que cette nouvelle petite vidéo eh bien, vous aura plu. N'hésitez pas à me donner une note aussi sur cette nouvelle pioche. Et puis bah nous sur ce les gars, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.